Je suis Yann Cadet, exploitant agricole à Auxey, au sud de la Haute-Marne. On est en GAEC A2, sur une exploitation de 410 hectares de SAU, dont 310 hectares de culture, et puis le reste étant principalement de la prairie permanente, quelques compléments, jachères, etc. On est situé au sud de la Haute-Marne, limite Côte d'Or, limite Haute-Saône. Voilà, donc c'est le sud du plateau de Langres, qui est réputé pour ses températures relativement basses. Ce sont des types de sols relativement superficiels. Alors, on a du profond en fond de vallée, qui est bien souvent des grosses argiles, des argiles humides qui ont plutôt du mal à ressuyer. Et puis sinon, tout ce qui est plateau, voilà, c'est argilo-calcaire superficiel, plutôt séchant, mais des terres plutôt fertiles, colorées. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur la situation géographique. On a une pluviométrie qui est entre 900 et 1000 mm par an, on va dire. Bon, annoncer une pluviométrie globale, je trouve que c'est toujours, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que c'est vraiment la répartition annuelle qui est importante. Donc quand on a énormément de pluie entre décembre et mars, et puis peu entre mai et août, voilà, c'est... ça peut être gênant pour les cultures. Alors notre exploitation est constituée donc de céréales en majeure partie, et on a à côté de ça un troupeau vache allaitante de 60 mères limousines, voilà, qui est nourri principalement à base de prairies permanentes, puisqu'on en a largement suffisamment pour notre troupeau. Alors historiquement, on était des gros laboureurs. Hein, même si on est en terre superficielle, on pratiquait encore beaucoup le labour, un petit peu les TCS, et puis on se rendait compte d'année en année, on avait l'impression que nos sols étaient de plus en plus difficiles à travailler. C'est-à-dire qu'il nous fallait de plus en plus de puissance pour le même outil, pour faire le même boulot. Voilà, le point de départ de la réflexion, il était un petit peu là, en se disant qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal que nos sols soient de plus en plus difficiles à travailler. Ça, et puis d'autre part, on avait envie aussi de travailler autrement. On entendait parler de semis direct. À l'époque, on parlait de semis direct, on parlait pas d'agriculture de conservation des sols ou autre. Donc c'était un petit peu aussi l'idée du challenge, d'avoir fait un petit peu le tour de notre technique conventionnelle. Et puis voilà, on avait envie de bosser autrement, de faire des couverts végétaux, c'est joli. Et puis voilà. Donc on a démarré comme ça. Fin 2011, début 2012, on a fait les premiers semis directs fin 2011, en ayant investi dans un semoir de semis direct de largeur réduite, de 3 mètres, hein, ce qui était un John Deere 750A, et en ayant gardé notre matériel conventionnel, on va dire, et puis on a commencé à faire quelques parcelles en SD, comme ça. Ça s'est plutôt très bien passé. Alors on peut dire que c'est la chance du débutant, mais je pense qu'il n'y a pas quand même que ça. Et puis on a poursuivi, voilà, printemps 2012, on en a fait une petite partie en SD, et puis automne 2012, on souhaitait en faire énormément, or l'automne a été relativement humide, et on a, avec notre petit semoir, on n'a pas pu implanter tout ce qu'on voulait en semis direct, parce qu'il faut quand même que le sol soit essuyé pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. Voilà. Donc on a décidé cet hiver-là de bazarder notre 750 en 3 mètres, notre matériel conventionnel, et on est passé sur un 750 en 6 mètres début 2013. Et c'était parti pour conduire toute la surface en semis direct, sous couvert, vivant ou mort. Voilà pour l'historique. Alors en termes de rotation, sur les sols relativement superficiels, c'est une rotation classique pour le secteur, c'est-à-dire basée sur du colza, du blé, de l'orge, d'hiver principalement. On fait un petit peu d'orge de printemps, même dans des terres moyennes, ça se passe bien. On faisait des pois, on a quasiment toujours fait des pois, enfin je sais pas, depuis 15 ans. Pour diversifier la rotation, notamment des pois d'hiver, pour passer sur une rotation de 5 ans en sol superficiel, type pois blé, colza blé orge,
ou l'inverse, voilà. Ce qui permettait de ne pas faire revenir le colza trop souvent. Le poids, c'est compliqué. On a eu ces dernières années énormément de déconvenues, soit en termes d'accidents climatiques qui faisaient qu'on ramassait pas grand-chose, soit en termes de maladies avec la bactériose qui nous a ravagé les pois plusieurs années. Voilà. Donc on a, à contre-cœur, abandonné les pois qui, en plus, nous posaient des problèmes de salissement. On salissait les parcelles avec notamment des chardons. Voilà. Donc, et ça nous apportait pas de gain en termes de désherbage sur les adventices classiques qui peuvent nous embêter dans une rotation. Voilà. Donc on a laissé ça tomber. Donc on revient malheureusement, on va dire, sur nos terres superficielles, sur une rotation colza, blé, orge d'hiver, orge de printemps. Quoi. Voilà. Hein. Et dans notre secteur relativement froid, sur ces sols-là, ben, on n'a malheureusement pas bien le choix en termes de diversification de culture. On pourrait tenter un petit peu de lentilles, éventuellement un peu de tournesol, sachant qu'en semi-direct, sous couvert, strict, c'est très très difficile à réussir, notamment pour un problème de réchauffement de sol. Alors après, on pourrait passer sur du strip-till, des choses comme ça. Ce serait faisable. Après, ça représenterait toujours que des surfaces minimes au vu de la taille de l'exploitation. Investir dans du matériel spécifique pour ça, bon, c'est en réflexion, mais c'est pas fait jusqu'à présent. Ensuite, la deuxième partie de nos sols sont donc des argiles profondes, qui sont généralement des fonds de vallée relativement froids, où là, on a quand même beaucoup plus le choix en termes de culture possible. Et là, sur ces sols-là, on s'oriente sur une rotation type maïs, soja, blé. Voilà, en gros, ce qu'on va essayer de faire. En maximisant le nombre de couverts végétaux possibles, qui ne sont pas toujours réussis parce que sur des sols superficiels, la réussite d'un couvert est très aléatoire. Voilà, il suffit qu'on n'ait pas de flotte dans l'été et puis on peut faire le plus beau des mélanges qu'on veut. Si on n'a pas les conditions climatiques pour faire pousser du couvert, ben, voilà, c'est rarement, on fait rarement de très beaux couverts, malheureusement. On va dérouler un petit peu la rotation en attaquant par le colza qui est quand même notre tête d'assolement principale. Les colzas sont toujours implantés derrière une serrée à la paille, que ce soit orge d'hiver, orge de printemps ou blé. Les pailles sont systématiquement exportées pour les besoins du troupeau et puis aussi pour d'autres éleveurs par le biais d'échanges paille-fumier. Voilà. Donc on n'hésite pas à exporter nos pailles, je sais que ça en fait bouillir certains, pour rapporter des effluents organiques. Chez nous, la paille se dégrade relativement mal, hein, du fait des pH élevés, des conditions climatiques, ce qui fait qu'on peut avoir des taux de matière organique extrêmement élevés dans des terres superficielles, 5, 6, 7, 8% de matière organique, mais c'est bien souvent de la matière organique qui n'évolue pas. Voilà. Donc je pense qu'il faut pas, dans notre cas, il faut pas se cantonner à dire on n'exporte pas de paille, on la laisse pour le sol. Elle peut nous poser souci pour le semis, pour la gestion des limaces. Donc nous, notamment, avant colza, elle est systématiquement exportée. Voilà, on ne se pose pas la question. L'implantation des colzas se fait généralement sur la première décade d'août. Hein. On a avancé par rapport aux dates de semis classiques du secteur d'une quinzaine de jours environ. C'est systématiquement du colza associé. Alors, associé avec différentes choses, ça dépend des problèmes de désherbage qu'on peut avoir dans les parcelles, parce que dans certaines parcelles, on a des grosses problématiques de géranium. C'est la bête noire pour les colzas chez nous. Hein. Alors, pour les parcelles relativement propres, on va dire, en géranium, on peut associer le colza à une multitude de choses. Il y a toujours une base de févrole. Il peut y avoir du lin, un petit peu de sarrasin. Il peut y avoir de la lentille. Il y a une base de légumineuses style trèfle violet qu'on va essayer de conserver sous le colza pour que le couvert post-colza soit déjà en place. Voilà.
En termes de variété utilisée, sur les parcelles à forte problématique géranium, on fait un petit peu de colza Clearfield, qui nous permet de désherber très efficacement les géraniums, et puis qui nous permet d'être sélectif des plants de campagne légumineuses uniquement. Donc, pour ces colzas-là, ces colzas sont associés avec de la févrole et du trèfle violet. Est-ce que tu mets de l'antilimace peut-être ? Pas systématiquement. D'accord. Non, c'est vraiment au cas par cas, à vue. C'est même rare qu'on soit embêté par des limaces, je vais dire. Par contre, on peut avoir un problème ponctuel, et en général, c'est violent. C'est ce que je constate, moi, depuis qu'on pratique le semis direct sous couvert. C'est qu'on ne va pas être plus embêté qu'avant, parce que en conventionnel, on avait tendance à utiliser beaucoup d'antilimaces. Peut-être à tort, peut-être qu'on était aussi pas assez tolérant vis-à-vis des dégâts, hein, peut-être trop frileux sur les moindres dégâts qu'on pouvait avoir. Là, en semis direct, j'ai l'impression qu'on n'est pas embêté plus fréquemment. Par contre, si on est embêté, ça peut être plus violent. Parce qu'on va avoir une éclosion brutale, et puis voilà, 2 mois après, c'est l'invasion. Bon, bah là, effectivement, on intervient. Donc, on essaye toujours d'intervenir en préventif avant les semis, en piégeant, et si présence de limace, on intervient dans ces cas-là qu'avec des produits à base de phosphate ferrique qui sont pas efficaces extrêmement rapidement, hein, qui vont mettre du temps pour être efficaces, mais qui sont en revanche très sélectifs de la faune auxiliaire, hein, carabe ou lombric. Donc voilà, tant qu'on peut intervenir en préventif avec ces produits-là, on le fait. Si vraiment il y a le feu, en curatif, effectivement, on va utiliser du méthaldéhyde, mais c'est rare et puis c'est toujours à petite dose. Pour booster le colza, on apporte systématiquement une fertilisation localisée au semis à base de 18-46. Voilà, et puis ensuite le colza se développe normalement, on n'a pas de soucis, hein, s'il y a un peu d'averse, il n'y a pas de problème. On arrive à faire des grosses biomasses à l'automne, avant l'hiver, donc ce qui est quand même un avantage pour passer l'hiver dans de bonnes conditions, ce qui nous permet aussi d'être plus costaud vis-à-vis des ravageurs d'automne, Altise, Charançon du Bourgeon Terminal. Et jusqu'à présent, si on a des colzas puissants, on ne fait pas d'insecticide à l'automne pour ces ravageurs-là. Je dis jusqu'à présent parce que on n'est pas encore dans un secteur très impacté par ces ravageurs-là. C'est en train d'arriver du nord-ouest, hein, progressivement. Donc on va bientôt être très très embêté, hein, comme le sont déjà nos collègues des plateaux de Bourgogne ou de Lyon. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas trop de soucis avec ça. Ensuite, bon, ben, en termes de désherbage, c'est classique. Si c'est du colza Clearfield, voilà, hein, ce sont les désherbages des produits Clearfield. Si c'est du colza classique, donc là, ce sont en général des lignées en semences de ferme qui sont désherbées à base d'Alabama, voilà, pour la partie antidicote. Éventuellement un antigraminé pour les repousses de céréales. On profite du colza pour gérer les problèmes de vulpin qui sont quand même importants aussi dans notre secteur et qui sont d'une importance croissante. Donc le colza, c'est la culture où on va placer un kerb ou équivalent kerb, hein, pour pouvoir gérer des graminées pour le reste de la rotation. Est-ce que tu refertilises en plein après ? Oui, bien sûr. Alors, ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que avant l'implantation, donc il y a des apports de fertilisants organiques qu'on essaye de concentrer avant les colzas, puisque c'est du fumier de bovin classique, hein, mis en dépôt, qu'on essaye de concentrer avant colza, puisque ce serait la plante qui valorise le mieux, en tout cas, et qui peut permettre d'avoir encore un peu de biomasse supplémentaire à l'automne. Et puis ensuite, sortie hiver, on a une fertilisation classique minérale qui est faite exclusivement à base d'azote liquide, solution 39.
des apports de soufre relativement conséquents, parce que dans nos sols il en faut. Et puis le soufre coûte pas cher, et franchement je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut tirer. Le soufre est apporté sous une forme de polysulfate, donc sulfate de potasse. Voilà. Est-ce que tu mets du bore ou des oligos ? Oui. Alors, le bore est apporté en quantité relativement importante aussi, et très fractionné. C'est-à-dire que dès l'automne, dès que je vais avoir une surface foliaire assez importante, je profite d'une intervention, quelle qu'elle soit, pour apporter un petit peu de bore. Donc, je vais en général faire deux apports à l'automne, de 80-100 grammes par apport. Et puis, printemps, je vais à nouveau faire deux à trois apports de bore. Je cherche le fractionnement maximum pour accompagner au maximum les besoins de la plante. Et j'en apporterai encore à floraison avec un fongi ou deux. Et voilà, le bore est très fractionné et toujours présent pour suivre la culture. Ok. Et sur les fongis, tu fais combien de passages ? Alors, je fais historiquement deux passages. Je fais historiquement deux passages parce que je suis équipé d'un automoteur qui me permet de le faire sans faire de dégâts, parce que pratiquant les mélanges variétaux en colza avec des précocités qui sont pas toujours très regroupées, on a souvent une floraison qui dure, qui est très étalée. Je pense que c'est un avantage. Et pour bien accompagner cette floraison et puis les maladies qui peuvent apparaître, même si on n'est pas on est rarement très embêté par le sclérotinia, mais ne pas le faire peut coûter très cher, on l'a déjà vu. En revanche, on peut avoir beaucoup de maladies de fin de cycle qui, elles, peuvent être préjudiciables. Donc, je fais quasi systématiquement deux interventions à des doses très réduites, mais toujours le fractionnement pour accompagner le mieux possible. Donc, une première intervention début floraison, une deuxième trois semaines après, en général, quand il commence à y avoir un petit peu moins de fleurs. Voilà. Et tu fais combien de quintaux à l'hectare ? Une année classique, Oui, oui, on n'a pas parlé des potentiels de rendement, effectivement. Donc, tout confondu sur l'exploitation, toute terre confondue, on va dire, hein, on est sur des potentiels en colza de 32-35 quintaux. Et puis, en céréales d'hiver, blé, orge d'hiver, 65-68, voilà. 70, quand on est à 70, on est satisfait. Alors, ici un exemple de ce qu'on peut faire en semis direct sous couvert, qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours une réussite. J'explique. Dans cette parcelle-là, on avait une orge d'hiver l'an passé, qu'on a récoltée relativement tôt, autour du 20 juin. Hein, l'année était précoce. On a exporté les pailles rapidement. Et tout de suite derrière, j'ai implanté un mélange de colza, à une dose relativement élevée, 5 kg de lignée de ferme, sarrasin à 35 kg et trèfle violet à 5 kg également. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est de faire un semis, à partir d'un semis, d'essayer de faire 3 récoltes. Alors, le sarrasin est extrêmement concurrentiel, il se développe très très vite. Donc, en implantant autant de sarrasin, tout de suite, il couvre le colza. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement désherbant, c'est-à-dire qu'aucune intervention phyto sur le colza. Hein. Le sarrasin couvre et a tout étouffé. Il a fait son cycle. On a récolté le sarrasin fin octobre, si je ne dis pas de bêtises. Fin octobre, voilà. Le colza était dessous. Il avait énormément souffert de la présence du sarrasin, surtout que le sarrasin a fait une biomasse importante et un rendement relativement élevé pour une culture dérobée, puisqu'on a sorti 12 quintaux de sarrasin. Voilà. Donc c'est... pour l'avoir déjà pratiqué plusieurs fois, c'est la première fois où on arrive à sortir autant de sarrasin, autant de rendement. L'inconvénient, c'est qu'il a été extrêmement concurrentiel pour le colza. Et donc, on a un colza qui ne s'est pas du tout enraciné, et qui aujourd'hui est minable, voilà. Le colza, trop de concurrence, pas de racines. Donc, sorti hiver, il paraissait se développer à peu près normalement, sauf que n'ayant pas de racines, il fait trois fois rien. Donc c'est un colza qui va faire peut-être 15 quintaux, 20 quintaux, je sais pas, quoi. Mais
C'est dommage, l'idée elle est géniale, mais si on récolte énormément d'une culture, on ne peut pas récolter en quantité de la culture suivante. Enfin, à mon avis, ce n'est pas possible. Bref, dans tous les cas, le colza va être récolté de manière classique. Et puis le trèfle violet, bah, il est très présent dessous, forcément. Parce que comme le colza n'est pas très puissant, eh ben, le trèfle violet, lui, il prend de la place. Hein, il prend la place. Donc on voit le trèfle violet qui est là et qui pourrait sans souci être exploité en fin d'été pour faire une coupe de fourrage. Voilà. Donc effectivement, on peut faire trois récoltes en partant d'un seul semis, mais les quantités récoltées sont pas forcément bonnes. Voilà. Est-ce que tu penses que dans ce cas-là, ça aurait pu être amélioré en... Là, on va reprendre ma question parce qu'on ne m'entendra pas du tout. En baissant la dose de sarrasin et augmentant la dose de colza. Alors, monter la dose de colza, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que ça n'a pas d'intérêt parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la densité du colza. C'est son enracinement et son développement. Je pense qu'on aurait même... ça serait même encore plus un problème d'augmenter la densité de colza, parce que même une fois que le sarrasin serait récolté, il se ferait trop concurrence entre lui. Mais diminuer la quantité de sarrasin, oui, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Le problème, c'est que le sarrasin, c'est extrêmement aléatoire. Hein. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on pratique ce genre de mélange. Les fois précédentes, la première fois, j'ai dû récolter 2 ou 3 quintaux de sarrasin. Derrière, j'ai fait un colza tout à fait normal, 36 quintaux. Voilà. Alors génial, on se dit ça fonctionne. La deuxième fois, j'ai dû récolter 7 quintaux de sarrasin, ce qui était déjà pas si mal. Et ben, il me manquait déjà, je pense, 7-8 quintaux sur le colza. Et on ne sait jamais d'avance quel va être le développement du sarrasin et quel va être son rendement. On peut avoir beaucoup de biomasse et pas de grains, peu de biomasse et beaucoup de grains. Voilà, c'est très aléatoire. L'idéal, c'est quand le sarrasin fait relativement peu de biomasse, mais une bonne fructification. Dans ce cas-là, on arrive à avoir un rendement de sarrasin correct et peu de pénalisation sur le colza qui suit. Le gros avantage du sarrasin, bah, c'est son effet étouffement désherbant. Voilà. C'est son gros avantage. Après, voilà, c'est très aléatoire. Son impact sur la culture principale, on va dire, est très aléatoire. Et puis, il y a aussi le problème qu'on n'est pas dans une région qui recherche du sarrasin. Hein, les prix de sarrasin se sont effondrés depuis 2 ans. Bon, c'est aussi pour les problèmes d'accords commerciaux. Ça évite de réduire les importations de sarrasin chinois. Hein, on baisse le prix aux producteurs français. Comme ça, on n'est pas embêté, ils vont pas en faire de trop. Voilà, c'était un petit aparté. Est-ce que tu envisages la technique de faire des couverts de sarrasin pur pour nettoyer des parcelles vraiment sales ou pas? Non. Comment je vais te dire ça? On pourrait envisager d'implanter du sarrasin pur en couvert pour uniquement avoir un effet désherbage, désherbant. Sauf que dès que le sarrasin va plus être présent au moment de l'implantation de la nouvelle culture, on n'aura plus cet effet désherbant. Sauf un supposé effet allélopathique du sarrasin, mais on ne sait même pas sur quoi. Enfin, tout ça, c'est très, très. Ce ne sont que des suppositions. Donc je pense qu'on ne peut pas compter là-dessus. Autant faire un couvert classique multi-espèce qui va nous apporter plein d'autres avantages avec beaucoup de légumineuses pour des restitutions azotées, pour favoriser de la biodiversité plutôt qu'un sarrasin pur qui, ouais, non, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Ok. Et donc, sur les couverts multi-espèces, j'ai une question. J'ai parlé avec Sylvain Tromenschlager il y a 2-3 jours et en gros, il disait que pour lui, faire un couvert multi-espèces n'est pas forcément d'intérêt parce que c'était des espèces qui était souvent qui n'est pas d'ici en fait. Oui. C'était pas de la diversité qui était vraiment adaptée. Donc il nous conseillait plutôt de faire des espèces avec peu de diversité, mais très très chargées en. Oui. Avec une très très forte densité. Les espèces qu'on utilise dans les couverts végétaux, on évite les espèces tropicales, on va dire. Enfin, il s'en est déjà essayé et puis ça fait pas forcément grand chose parce que c'est pas des espèces de chez nous, c'est pas adapté à notre contexte pédoclime.
Donc voilà. Donc on reste sur des choses qui fonctionnent relativement bien chez nous. Les légumineuses, c'est des pois fourragers, des trèfles, de la févrole. À côté de ça, du lin, du tournesol qui pousse très très bien. Du sarrasin, bon bah ça pousse bien. Les lentilles en légumineuses poussent correctement. Voilà, en gros, hein, la facélie, même si elle n'est pas développée en culture, on fait des super couverts avec une base de facélie. Effectivement, je ne sais pas s'il y a un intérêt à diversifier énormément le nombre d'espèces dans les couverts. Je pense qu'il faut quand même garder une base de 5-6 espèces, c'est bien. Descendre en dessous, ça peut très bien fonctionner, mais on prend un gros risque si l'année favorise plutôt l'une que l'autre des espèces. Après, multiplier 12-15 espèces, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est bien se casser la tête pour réaliser ces mélanges. Ça va être forcément avec des espèces plus difficiles à trouver, peut-être plus chères. Nous, on essaye de faire avec du local, d'acheter le minimum de choses, d'autoproduire des semences de couvert. Puis voilà. Alors ici, c'est un colza classique, on va dire, enfin classique, dans la mesure où il a été implanté derrière une orge de printemps. Paille exportée, il était implanté autour du 10 août. On a eu la chance d'avoir des pluviométries fin août, hein, donc on a eu une très bonne levée du colza. Ça, c'est un mélange de lignées fermières composé de trois variétés avec des précocités un petit peu différentes. J'aime bien faire ça, ça permet aussi d'allonger un petit peu la floraison et puis de prendre moins de risques. Ce qu'on peut dire, donc colza implanté autour du 10 août à 50 pieds mètre carré en gros, voilà, avec du 18-46 dans la ligne de semis, 60 kg de févrole, ce qui représentait environ 12 pieds au mètre carré, et puis 3 kg de trèfle violet. Colza qui s'est bien développé. C'est une parcelle où on n'a pas énormément de problèmes de désherbage en plus en termes de géranium, bon, donc désherbage allégé, voilà, qui a fait vraiment une super biomasse avant l'hiver, ce qui fait que je n'ai pas fait d'intervention insecticide à l'automne, parce qu'on part du pain strip qu'un colza qui est très développé est beaucoup moins sensible aux ravageurs altis et charançons du bourgeon terminal. Puis encore une fois, on n'est pas encore dans un secteur très impacté par ces bestioles. Mais ça risque de venir. Voilà. Donc par rapport à la parcelle qu'on a vue juste avant, la différence forcément c'est la tête du colza. Hein. Là on est sur un colza normal, on va dire, hein, qui peut faire 35 quintaux. Et puis l'énorme différence aussi, c'est le trèfle violet qui est dessous, qui lui est à peine visible aujourd'hui, hein, qui est tout petit, parce que tu le vois là. Voilà le trèfle là. D'accord, ouais, c'est bon. Voilà. Parce que la concurrence du colza a fait que il est resté dessous. Voilà ce qu'on peut dire sur un colza normal. Donc après récolte du colza, broyage des tiges, et on laisse le trèfle violet se développer. Sans doute au début du développement du trèfle violet, des passages d'air sapaille pour essayer de déranger les campagnols, parce que c'est une parcelle où j'ai été un petit peu embêté suite à l'implantation du colza. J'ai dû intervenir chimiquement là sur certains ronds. Donc je suppose que j'aurai pas mal de campagnols présents après la récolte du colza. Sachant que quand il y a un trèfle violet, le campagnol il est heureux là-dessous. Déjà il adore ça en termes d'alimentation. Et puis il est à l'abri, il est super tranquille, quoi. Voilà. Donc il y aura des passages répétés. Ensuite on va laisser le trèfle se développer. En fonction de nos besoins et de la biomasse produite, pourquoi pas le récolter. Ou alors ce que j'aimerais, c'est trouver à le faire pâturer par des troupeaux d'ovins itinérants, par exemple. Ça, ce serait génial, parce que ça nous dérangerait de manière importante les campagnols. Les campagnols ont horreur du piétinement des ovins, enfin, et des bovins aussi, mais les ovins, c'est assez spectaculaire en termes d'efficacité là-dessus. Et puis ça nous permettrait de gérer le couvert, tout le monde serait content, quoi. Ce serait, voilà. Mais bon, c'est...
pas très développé, il faut des troupes de moutons partout. Mais ça, ce serait génial dans le principe. Sur le principe, ce serait bien. Faire pâturer jusque la veille du semis du blé. Hein, on implante le blé et terminé, quoi. Tu voudrais acheter des moutons ou tu lances toi-même ou les vaches là-dessus peut-être ? Alors, nous, on n'envisage pas d'investir dans des ovins parce qu'on a déjà bien assez de boulot comme ça. On n'envisage pas non plus d'augmenter la main-d'œuvre présente pour un atelier comme celui-là. Mais non, je préfère en trouver qui viennent de l'extérieur, quoi. Ça serait moins pénible à gérer. Voilà. Puis ça n'influerait pas sur notre boulot à nous. Et une dernière question, pour les rongeurs, qu'est-ce que tu penses du mélilot dans les couverts ou en plantes associées ? Alors, le mélilot dans les couverts, ça c'est pareil, c'est un bruit qui a circulé il y a quelques années sur l'efficacité du mélilot, qui sécrète de la coumarine en se dégradant, qui est un produit toxique qui doit éliminer les campagnols. Donc ça, faut pas rêver, c'est une vaste fumisterie. Moi, j'ai essayé de mettre du mélilot dans des couverts. Donc d'une part, c'est quasiment ingérable parce que c'est une plante pluriannuelle, qui va un petit peu se développer la première année, mais pas forcément fleurir, et qui par contre peut être très ennuyeuse dans les cultures suivantes. Hein. Ensuite de ça, les campagnols ne mangent pas le mélilot, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et enfin, pour que ce soit efficace, il faudrait que le campagnol le coupe, le descende dans son terrier pour qu'il puisse se dégrader, parce qu'il n'y a que quand il se dégrade qu'il dégage de la coumarine, pour le consommer en hiver. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses imprécises et c'est complètement inefficace. Il faut oublier le mélilot. Ça coûte extrêmement cher en semences en plus. C'est très joli, c'est sûr, ça monte deux fois plus haut que le colza, c'est super. C'est un peu compliqué à gérer. Voilà. Donc le trèfle violet est présent sous le colza, depuis l'implantation du colza. Il est extrêmement discret. À partir du moment où on a un colza qui fait une biomasse correcte, le trèfle violet est très handicapé par la concurrence, et donc il va rester dessous bien sagement. À la moisson du colza, on va broyer les cannes. Donc pour plusieurs raisons, déjà mettre à plat, permettre l'accès des prédateurs pour l'éventuelle gestion des campagnols, parce que on n'en a pas encore parlé, mais les campagnols sont notre principal souci en semis direct sous couvert. Et plus les terres sont superficielles, et on a l'impression que plus ça leur plaît, parce qu'ils n'aiment pas l'humidité, hein, ces bêtes-là. Donc voilà, se cacher dans les cailloux, voilà, c'est vraiment leur truc. Donc on essaye de favoriser au maximum la prédation en mettant bien à plat les chaumes, les étoules. Donc c'est notamment le cas derrière colza. Et puis ça permet au trèfle violet qui est là présent, très discret, qu'on voit quasiment pas, d'avoir accès à la lumière. Et là pour le coup, il va exploser. Même en semant du trèfle violet à faible dose au moment du semis du colza, je mets 3 kg de trèfle violet. Ça me permet, en termes de densité après récolte du colza, d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Et puis, si jamais on a la chance d'avoir quelques averses fin juillet, début août, là vraiment, on fait un beau couvert, quoi. On fait un beau couvert. Qui peut, pourquoi pas, être exploité pour les animaux. Alors, soit en pâturage, nous, on ne le fait pas. Mais si on a une biomasse vraiment intéressante, pourquoi pas le faire en foin, voire en enrubanné. Voilà, c'est de la super calmotte. Voilà, si on ne l'exploite pas, on va le restituer au sol par l'intermédiaire d'un broyage ou deux broyages, voilà, ça dépend comment il pousse. Et puis on va implanter le blé directement dans le trèfle violet. Donc ici, les dates historiques de semis de blé sont fin septembre, début octobre. Voilà, en général, on sème relativement tôt. C'est la semence de ferme ou pas ? Oui, je fais tout en semence de ferme, à l'exception de quelques hectares de renouvellement de semences, voilà, qui sont en certifié. Mais sinon, tout est fait en semence de ferme avec un traitement de semences classique, T2, voilà. Rien de particulier à ce sujet. On sème à des densités de l'ordre de 300-320 grammes mètre carré, hein, autour du 1er octobre.
Si on vient à semer plus tard, on va augmenter naturellement, mais sur ces dates-là, c'est suffisant. Et puis voilà, on gère le couvert, donc le trèfle violet en l'occurrence, avec un peu de glyphosate juste avant le semis du blé. Le blé est semé lui aussi avec une fertilisation localisée à base de 18-46 pour toujours apporter le phosphore qui est quand même dans notre secteur l'élément le plus déficitaire hein, en règle générale. Et puis qui pose des problèmes en termes de blocage dans nos pH relativement élevés, dans nos argiles. Donc le but c'est de favoriser l'assimilation du phosphore par la plantule et donc d'apporter toute la dose si possible dans la ligne de semis. Voilà. Et de ne pas réapporter de phosphore en plein sur la culture. Okay. Voilà. Donc sur les céréales, les adventices qui vont nous poser le plus de problèmes sont des graminées et essentiellement le vulpin. Alors la présence du couvert nous aide. J'ai vraiment l'impression que quand le couvert est en place, et notamment du trèfle violet, qui est quand même relativement concurrentiel, bien qu'on l'ait calmé un petit coup pour qu'il ne soit pas trop concurrentiel pour le blé, et grâce à un semoir qui va ne pas déplacer de terre, ne pas faire de mise en germination d'adventice, on a quand même des levées de vulpins qui sont nettement moindres. Suite à cela, on travaille principalement du désherbage racinaire sur les blés à l'automne, hein, pour la gestion des graminées et des dicotes, mais la cible principale, c'est quand même les graminées. Voilà, le couvert peut être préjudiciable. Donc on ne le savait pas jusqu'à présent, enfin on n'avait jamais été confronté jusqu'à présent. On l'a été à l'automne dernier, donc à l'automne 2018. Un automne extrêmement sec. Et la présence du couvert avait complètement asséché le profil. Donc on a implanté aux dates classiques dans des conditions extrêmement sèches. Mais on n'a pas eu de flotte. La pluie a mis longtemps à revenir, il n'a replu que fin octobre. Et donc, on a eu des blés semés dans des trèfles violets qui n'ont levé que fin octobre, début novembre. Conséquence, on n'avait pas majoré les densités de semis parce qu'on a semé à des dates classiques. Hein, on ne pouvait pas savoir que ça allait lever un mois ou un mois et demi après. Et on se retrouve aujourd'hui avec des blés relativement clairs. Parce que, vu la date de levée, il aurait fallu augmenter les dates de semis, les densités de semis, pardon. Bon, voilà. Cette année, enfin l'automne dernier, on peut le dire clairement, le couvert a été préjudiciable à la céréale. Il a été préjudiciable sur la densité de la culture, il a été très bénéfique sur le salissement. Parce que, étant donné qu'on a eu des levées tardives de céréales, les adventices n'ont pas non plus levé avant, et... Toutes les levées tardives, toutes les parcelles où la levée était tardive, c'est extrêmement propre. Voilà. Et j'ai une ou deux parcelles de blé qui ont été implantées derrière pois, où là, il n'y a pas eu de couvert entre les deux, parce que je souhaitais désherber des vivaces hein, à l'interculture, donc je n'ai pas implanté de couvert. Ces blés-là ont été implantés aux mêmes dates que les autres, fin septembre, début octobre. N'ayant pas eu de couvert précédemment, le profil n'a pas été asséché, on a conservé l'humidité et les blés ont levé très rapidement et ceux-là sont beaucoup moins propres parce que les adventices, parce qu'on a eu notamment du vulpin qui a levé aussi dans la foulée. On a fait du désherbage racinaire, on a fait sur quelques surfaces du rattrapage sulfo antigraminé au printemps, avec des efficacités très aléatoires depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on essaye de se concentrer sur du désherbage racinaire à l'automne. Même si, dans certaines conditions, ça peut taper aussi la culture, que ce soit du blé ou de l'orge d'hiver. Insecticide, quasiment jamais. Il peut y avoir un insecticide à l'automne en fonction de la présence de pucerons ou de cicadelles.
Mais franchement, on intervient pas très souvent. Pas très souvent, déjà parce que j'aime pas trop ça. Ensuite, parce qu'on n'a jamais eu des dégâts très conséquents en termes d'insectes à l'automne. On est dans un secteur relativement frais, à une altitude pas spécialement importante, mais voilà, autour de 300-350 mètres. Et franchement, on n'a pas des dégâts insectes monstrueux, quoi. Hein, on est de loin, on est franchement pas très touché par ça. Donc, il peut y avoir, voilà, un insecticide à l'automne. Au printemps, sur céréales, il n'y a aucune intervention insecticide, excepté sur blé, si en fin de cycle on a des conditions favorables aux cécidomies. Là, on a déjà eu quelques soucis effectivement de cécidomies, donc ça à surveiller. Et puis, si on a vraiment des conditions, des piégeages importants, il y aura une intervention. Mais franchement, c'est rare. C'est rare. En termes de fongicides, on utilise des mélanges variétaux. On n'utilise que des variétés peu sensibles, sachant que la maladie la plus préjudiciable chez nous, c'est la septo. Hein, on n'a pas de problème de fusa parce qu'on ne va pas avoir du blé derrière maïs, parce qu'encore une fois, on n'a pas des conditions climatiques favorables. Donc l'investissement fongie, pardon, il est relativement léger. Ça va être une, voire deux interventions si on est sur une année climatique plus favorable aux maladies, mais toujours à des doses modérées pour un investissement autour de 25 à 30 euros maximum pour du blé, quoi. Voilà. Et pour le blé, la fertilisation, le reste, tu l'apportes comment? Et est-ce que, comme pour le colza, tu fais un passage de fumier avant le blé ou pas? Alors non, parce que malheureusement, je veux dire, on n'a pas assez de fumier pour en mettre suffisamment partout. Donc le fumier, on essaye de le concentrer sur le colza. Après, c'est pas la règle. Enfin, c'est pas systématique parce qu'on essaye aussi de faire tourner les effluents organiques régulièrement sur toutes les parcelles. Voilà. Mais avant blé, il y en a rarement. Hein. Il y a donc du 18-46 dans la ligne de semis. Pour ce qui est d'apport d'automne, c'est tout. Ensuite, le reste se déroule sortie hiver avec le polysulfate, toujours pour la grosse partie soufrée, et puis un petit peu de potasse en complément des apports organiques de fumier. Et puis la grosse partie azote qui se fait sous forme liquide uniquement en solution azotée. Tu penses que dans le cas où tu as eu ta concurrence trèfle blé, Oui. est-ce que tu penses que si tu avais mis une luzerne dans ton colza, tu aurais vu que le blé et la luzerne, est-ce que tu n'as pas fait le même résultat? Tu penses qu'il y aurait une concurrence à moindre? Je pense pas. Je pense que ça aurait même pu être pire, dans la mesure où la luzerne est sans doute en mesure d'assécher encore plus le profil, encore plus le sol, qu'un trèfle violet. Alors, on a eu aussi le problème, on n'a pas eu le problème uniquement qu'avec des légumineuses pérennes, on va dire. Hein, puisque pour les orges d'hiver, on va y venir, mais les orges d'hiver ont été implantées derrière des blés, avec entre les deux un couvert annuel, un couvert court, avec des plantes annuelles qui étaient principalement composées de févrole, tournesol, sarrasin, qu'est-ce qu'on avait, du pois fourager, du lin. Voilà, encore de la phacélie. Des couverts qui ne sont pas forcément bien développés parce qu'on n'a pas eu forcément de la pluviométrie importante. Et d'un secteur à l'autre, des grosses différences de développement. Parce que orage d'un côté et pas orage de l'autre. Ces couverts-là nous ont aussi posé problème pour la levée des orges d'hiver qui ont été implantées dedans. Et plus le couvert était développé, et plus l'orge d'hiver a eu du mal à germer et à lever, parce que plus le couvert était développé et plus le sol était asséché. Donc, je pense que le type d'espèce de couvert est pas très important, enfin, pour cette problématique-là, qui encore une fois, c'est la première fois qu'on est confronté à ce problème-là. Hein. Il faut surtout pas se dire, oh là là, je fais plus de couvert parce que ça va gêner la levée de ma culture. Non, non. Ce serait dramatique. Mais je pense pas que le choix de l'espèce
aient pu influer dans un sens ou dans l'autre sur ce sujet. Ok. Bah, dans ce cas-là, culture suivante, alors. Voilà, donc culture suivante, on a un petit peu parlé. Orge d'hiver ou orge de printemps derrière blé. Donc là, il y a toujours un couvert de mise en place. Sa composition peut un petit peu varier en fonction de s'il s'agit d'une orge d'hiver ou une orge de printemps. Parce que pour une interculture courte avant une orge d'hiver, on peut se permettre de mettre des plantes qui vont faire leur cycle un petit peu plus rapidement. Bien qu'on a fait énormément de tri en termes d'espèces, parce que tout ce qui est radis, enfin crucifère d'une manière générale, mais radis, moutarde, c'est ennuyeux parce que ça monte tout de suite à graines. Et si on veut les détruire, bah forcément on détruit aussi une bonne partie du reste du couvert. Et puis on ne permet pas au reste des plantes de s'exprimer. Je pense au tournesol ou au pot fourrager, qui sont, je pense, vraiment la base dans un couvert. Tournesol, pot fourrager sont deux espèces qui vont germer très facilement, très rapidement, en ayant besoin de très peu d'eau. Voilà. Une févrole, la févrole c'est génial, mais la févrole il lui faut quand même plus d'humidité pour germer. Et puis elle est quand même plus longue à se développer. Voilà, donc elle va être plus adaptée par exemple dans une interculture longue, avant une orge de printemps. Une févrole est plus adaptée et va permettre plus d'exprimer et de faire de la biomasse. En termes de couvert, voilà ce qu'on peut dire. Comment ils sont gérés? Ben, ils sont pas gérés. Ou alors, il y a un petit coup de glypho. Il y a toujours, dans tous les cas, hein, ça faut pas se leurrer. Il y a toujours une intervention à base de glyphosate juste avant le semis de la céréale, hein, de l'orge d'hiver en l'occurrence. Et puis semis directement à l'aide du 750A dans le couvert. Ici, on est sur une parcelle de blé qui a été implantée derrière pois d'hiver, mais sans couvert végétal entre les deux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une parcelle. Enfin, dans les pois, j'avais énormément de problèmes de vivaces, notamment de chardon, et également de grandes berces. Le long de la route, on a un petit peu de la grande berce. Donc j'ai choisi de ne pas implanter de couvert végétal pour pouvoir gérer ces vivaces-là durant l'été. Donc c'est ce que j'ai fait au mois d'août. Hein, j'ai géré chimiquement les vivaces. Ça a très très bien fonctionné. Étant donné qu'il n'y avait pas de couvert végétal, il n'y a pas de plantes qui ont pompé la fraîcheur qui restait dans le sol, qui a eu aucun travail du sol. Mais j'ai semé ce blé sur un sol nu tout début octobre. Voilà. Comme il n'y avait pas eu assèchement, le peu d'humidité qui restait au sol a suffi à ce qu'il germe très bien, tout de suite. Voilà. Donc on a eu une belle levée. C'est un blé pur, ça. C'est un Absalon qui a été semé à 300 grains, voilà, qui s'est développé très très bien. Il n'y a eu aucun souci. J'ai appliqué des désherbages racinaires pour gérer du vulpin, notamment, hein, à base de défis et de fausburies, en post-semis, puis en post-levée, avec des efficacités aléatoires parce que l'automne a été très sec. Donc on n'a pas eu des efficacités racinaires sensationnelles. Malgré tout, c'était relativement propre jusque sortie hiver, on va dire. Sortie hiver, on a fait un bon tour de plaine. Voilà, il y avait quelques taches à droite à gauche. Donc j'ai refait sur quelques zones une sulfo antigraminée au printemps, dont l'efficacité a été très moyenne, puisque bon, là où je suis, ça a été fait, hein, notamment. Bon, bah, il reste quand même du vulpin, et là-bas, ça n'a pas été fait. Bon, on voit quand même la différence. Hein. T'es pas obligé de zoomer trop près. On voit quand même la différence, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le désherbage de rattrapage au printemps, c'est pas une garantie d'efficacité. C'est pas nouveau, hein. Ça fait plusieurs années qu'on est embêté avec ça. Bon, bref, c'est pas dramatique, mais toujours est-il que ce blé, il est bien. Il a un potentiel qui, je pense, est d'au moins 70 quintaux. Hein, c'est le potentiel de la parcelle, on va dire, habituel, ou un petit peu mieux même. En revanche, derrière ce blé, plutôt que de repartir sur une orge d'hiver afin de gérer un petit peu l'enherbement en vulpin, je vais partir sur une orge de printemps.
Donc je vais implanter suite à la récolte un bon couvert avec beaucoup de légumineuses qui va rester en place au moins jusque fin octobre. Et puis on repartira sur un semis d'orge de printemps classique à partir de fin février ou début mars 2020. Ok. Voilà. Un truc à rajouter ? Non, outre que on a eu une pression maladie relativement faible cette année. Hein. Donc là, il y a juste eu une demi-intervention au gonflement du blé. Et puis c'est tout. Donc ici, un blé de colza. Qui était un colza Clearfield, parce que dans cette parcelle-là, j'ai pas mal de problèmes de géranium. Donc je les ai gérés de cette façon-là. Colza qui avait été associé à un trèfle violet. Hein, donc colza qui a fait un bon rendement. Un trèfle violet qui était quasiment absent au moment de la récolte, puis qui a complètement explosé quand la lumière lui est arrivée. Donc vraiment, à la faveur de quelques averses cet été, un très très beau couvert de trèfle violet. Qui a été géré par broyeur deux fois, hein, de manière à ne pas être trop développé au moment du semis du blé. C'est un mélange de cinq variétés, chose que je pratique de plus en plus et qui me plaît pas mal, avec des barbus pour gêner un petit peu les sangliers, des variétés tolérantes cécidomie, et puis globalement des variétés peu sensibles, voire très peu sensibles maladies. Que dire, le trèfle violet donc avait été géré au broyeur, je l'ai dit. Le blé était implanté les derniers jours de septembre dans des conditions extrêmement sèches, ce qui fait que sur des zones caillouteuses, j'avais même du mal à enterrer le grain tellement le sol était dur. Mais bon, j'ai semé. Il nous annonçait quelques averses, donc j'ai semé une densité classique. Hein. 320 grains. Il nous a annoncé quelques averses. J'ai fait des désherbages racinaires en vue de gérer notamment des problèmes de vulpins qui sont quand même récurrents. Même s'ils avaient été bien gérés dans le colza, on ne peut pas pour autant faire l'impasse sur la céréale qui suit. Et donc la pluie n'est réellement réintervenue que fin octobre. Ce qui fait que c'est un blé qui a levé début novembre. C'est un blé qui a bleu début novembre parce que le trèfle violet avait complètement asséché le sol. Voilà. Conclusion, il est un petit peu clair parce qu'avec une date de levée aussi tardive, le tallage n'a pas été sensationnel. Voilà. Sur certaines zones où il était faiblement enterré, il est même très clair parce qu'en plus il a été tapé par les herbicides racinaires. L'avantage, c'est que il a levé tard, oui, mais les adventices également, voire même n'ont pas levé du tout, hein, notamment le vulpin. Et donc on se retrouve avec des blés levés tard, mais des blés très propres aujourd'hui. Voilà, très propres en termes de graminées. Il y a eu une en désherbage printemps, je suis réintervenu avec une hormone pour gérer des repousses de colza et puis du trèfle violet qui devenait quand même assez envahissant. Voilà, donc j'ai calmé tout ça. Et puis voilà, derrière la récolte de ce blé, on aura implantation d'un bon gros couvert multi-espèces, en couvert court, d'interculture courte, en vue d'implanter une orge d'hiver dans le couvert tout début octobre. Est-ce que tu parles de ta gestion des dégâts de sangliers peut-être ? Oui, alors c'est une parcelle où j'avais beaucoup de dégâts de sangliers. Et les campagnols attirent les sangliers aussi, hein, parce que le sanglier chasse le campagnol, sauf qu'il ne fait pas des trous de la même taille. Voilà, donc ça peut être ennuyeux. Bon, voilà. Donc dans le trèfle violet ici, j'avais pas mal de dégâts de campagnol, c'est vrai. J'ai pas fait une intervention spécifique pour ça. J'ai broyé plusieurs fois pour faciliter la prédation. Il y a des ronds dans le blé, on les voit pas aujourd'hui parce que le blé est monté, mais sorti hiver, il y avait des ronds qui étaient quand même bien entamés. Ouah, je pense pas que ce soit très très préjudiciable, en tout cas cette année, sur le rendement du blé. Il nous est arrivé d'avoir des grosses pertes en blé à cause des campagnols, ce sera pas le cas cette année, il a quand même bien rattrapé. Voilà. Sur la gestion des sangliers, ben ma foi, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Orge d'hiver, donc comparable au blé, une densité de semis aux alentours de 300-320 grains.
autour du 1er octobre. Plutôt, on essaye plutôt de les retarder un petit peu par rapport au blé. Voilà, allez, entre le 1er et le 10 octobre, on va dire. Pas de problème particulier, surveillance des insectes, pucerons et cicadelles à la levée. On privilégie les herbages racinaires comme sur le blé pour essayer de gérer au maximum les graminées. Voilà. Si on a des blés sales, on va privilégier une orge de printemps pour essayer de bousculer un petit peu les rotations. Sachant qu'en terre superficielle, on prend un gros risque en termes de résultats, en termes de rendement, hein, puisque une orge de printemps, si on a un printemps sec, ça peut être la cata. Mais bon, si vraiment on a trop de problèmes de graminées, on n'a pas bien le choix, je veux dire. Sinon, en général, sur les terres superficielles, c'est orge d'hiver, voire triticale, puisqu'on utilise un petit peu de triticale pour l'alimentation des animaux, derrière blé, voilà. Orge d'hiver ou triticale. Ok. Tout ce qui est fertilisation, c'est comme pour le blé ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est géré de la même façon. La fertilisation est gérée de la même façon, en polysulfate et puis en azote liquide. Les fongies sont gérées en gros de la même façon qu'un blé, sachant qu'on ne fait, nous, que de l'orge brassicole d'hiver. Hein. On ne fait pas d'orge fourragère. Donc ça peut être un petit peu plus gourmand en termes de fongicides qu'un blé. Hein, en général, il y a quand même deux interventions parce que on a souvent de la rinco de manière assez précoce. Donc il y a toujours une intervention relativement précoce pour la rinco et puis une deuxième à épiaison. Hein, voilà. Après, sur les variétés, ça commence à bien progresser. On commence à avoir des variétés plus tolérantes aux maladies. Et puis également aux dégâts de pucerons. Donc on va essayer de se tourner un petit peu vers ces variétés-là pour essayer d'alléger encore les interventions en termes d'insecticides et de fongicides sur les orges d'hiver. Et une question qui s'applique aux orges mais qui s'applique au blé, je vais te poser. Est-ce que tu mets des raccourcisseurs sur tes céréales ? Alors, c'est vraiment en cas de besoin. Et c'est même rare. Alors, déjà sur blé, si on a des graminées rattrapées au printemps et qu'on applique une sulfo anti-graminée sortie hiver, je vais dire qu'on peut faire une crosse à le régulateur puisque la sulfo anti-graminée elle régule assez fortement la céréale. Voilà. Mais même si on n'en applique pas, les variétés qu'on utilise sont quand même relativement peu sensibles à l'averse. On n'est pas sur des potentiels de rendement colossaux, donc le régulateur est très rarement justifié en blé. En orge d'hiver, il peut l'être, encore une fois, ça dépend des variétés, mais on utilise beaucoup, nous, jusqu'à présent, la variété étincelle, qui, effectivement, sur des secteurs de terre profonde, peut être sensible à l'averse. Donc là, dans ce cas-là, il m'arrive d'intervenir, si vraiment l'orge est belle, il m'arrive d'intervenir avec une dose modérée de régulateur sur uniquement les zones qu'il mérite. Quoi. Voilà. Mais franchement, c'est rare. La régulation, elle est rare. Alors, une orge d'hiver qui a été implantée après un blé, après lequel on avait implanté un couvert multi-espèces, qui s'est relativement bien développé parce que c'est un secteur qui a quand même été un petit peu arrosé cet été. Donc ici, il y avait un couvert qui était vraiment sympa déjà. Orge d'hiver implanté début octobre à 320 grains. Et comme dans le blé précédent, le couvert ayant bien pompé l'humidité, elle a eu beaucoup beaucoup de mal à lever. Et ça a levé très échelonné jusque début novembre. Donc aujourd'hui, elle est claire, elle est trop claire, je pense, parce que le tallage n'a pas compensé la date de semis tardive. Pourquoi ne pas se métard ? On ne l'a pas dit, mais on est dans une région plutôt froide et plutôt séchante, et on sait que dès qu'on va retarder les dates de semis de céréales, au-delà du 10-15 octobre, on perd du potentiel de rendement. Donc c'est pour ça que classiquement, on sème autour du 1er octobre. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'avec une levée aussi tardive et la présence du couvert, on n'a pas eu de problème d'insectes à l'automne,
pucerons cicadelles, hein, forcément, quand les plantes ne sont pas là, il n'y a pas de dégâts. Et puis, comme tout à l'heure on le disait, l'avantage d'une levée tardive, c'est que c'est propre, voilà. Donc à part rien, hein, une folle avoine, ou, c'est très propre, c'est très propre. Donc ça va partir en brasserie, ça. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est de l'étincelle, donc orge d'hiver brassicole, ouais. Bon, il y a eu quelques dégâts de gel quand même, hein, on voit quelques grains qui sont un peu blancs, mais non, c'est pas catastrophique. Ce qui est plus catastrophique, c'est tout ce qui est jaune un petit peu plus loin, hein, donc ça c'est toute la partie très séchante, caillou, donc qui a déjà bien bien souffert le mois dernier. Voilà. Alors qu'ici on est dans une zone où il y a plus de terre. Voilà, donc ici on a un potentiel, je vais dire de 60, 65, et puis dans la partie jaunie desséchée, on va plutôt être à 40, 45. Sur la gestion des pailles, pour essayer de gérer, de déranger plus les campagnols, et puis de gérer un petit peu les andins de paille, on va essayer de généraliser les passages de herse à paille. Donc ça, il faudra qu'on le dise quand même. Bon, après colza, ça va pas trop poser de problème. Le trèfle violet étant en place, on pourra même passer dans le trèfle violet. Par contre, pour ce qui va être des intercultures où il y a l'implantation d'un couvert annuel, il va falloir qu'on passe de l'herbe à paille avant l'implantation du couvert pour essayer de déranger les campagnols. Et ça suffit pour les déranger ? Ben, j'ai pas l'expérience. Non, j'ai quelques retours de collègues qui pratiquent où franchement ça a l'air d'être assez intéressant. Je l'ai pratiqué l'été dernier parce qu'on a eu une herse à paille en démonstration. Donc j'ai fait une intervention sur certaines parcelles avant implantation de colza. Et effectivement, il me semble que j'ai été moins... Alors j'ai fait un seul passage, hein, ce qui est peu. Mais j'ai quand même été moins embêté par les campagnols sur ces parcelles-là que sur celles sur lesquelles je ne suis pas intervenu. Donc je pense que ça a son intérêt. Mais je pense qu'il faut faire des passages répétés. Au moins deux, voire trois passages, j'en sais rien, tous les 8-10 jours, en fonction des conditions climatiques, de la pluvio ou pas. Et essayer de ne pas passer trop près avant le semis, pour pas déclencher de germination juste avant le semis, ce qui serait dommage. Voilà, donc on va essayer, on vient d'acquérir une herse à paille d'occasion, et on va essayer d'en passer en long, en large et en travers pour voir ce que ça donne. Pour les cultures où il va y avoir implantation d'un couvert, on va essayer de passer, alors certes on va retarder un petit peu l'implantation du couvert après moisson, d'une part déjà parce qu'on doit récolter nos pailles, voilà. On est deux sur une surface relativement conséquente, c'est parfois très compliqué de sortir les pailles rapidement de la parcelle et de ressemer aussitôt le couvert. Donc là, en plus, si on veut faire des passages de herse à paille, ça ne me dérange pas de retarder un petit peu l'implantation du couvert de 10-15 jours pour me permettre de faire un ou deux passages croisés d'herse à paille avant. Voilà. Et sinon, pour gérer les campagnols, Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de raser au maximum, hein, voilà, de mettre à plat derrière le colza notamment. Si vraiment je vois qu'il y en a beaucoup dans les couverts, eh ben, plutôt que de semer directement dans le couvert, ce qui va pas me coucher parfaitement, eh ben, je vais le broyer, pourquoi pas. Hein. Ça permet aux prédateurs d'accéder. Ça permet également, notamment pour des couverts longs avant orge de printemps, si je les broie fin octobre, si je broie mes couverts fin octobre, ça évite que les sangliers passent l'hiver dans les couverts et me défoncent les parcelles. Hein, donc ça a son importance aussi. Voilà. Sinon, pour les campagnols, j'utilise un petit peu la bromadiolone. Voilà, j'avais fait une formation pour avoir le droit de l'utiliser. Alors, c'est uniquement dans des colzas. Quand je vois des ronds apparaître, donc c'est pas évident parce que pour voir les ronds apparaître dans du colza, il faut que le colza soit suffisamment développé. En plus, si on est dans des étoules de 15 cm, je veux dire qu'il n'y a que quand le colza
arrive au niveau des étoules qu'on commence à apercevoir les ronds qui se dégarnissent. Mais voilà, j'essaye d'intervenir le plus tôt possible avec, ce produit-là, en en mettant un petit peu dans les ronds, dans les trous de campagnol. C'est très efficace, c'est très fastidieux. Si c'est l'invasion, c'est même pas la peine d'y songer, parce que en termes de déjà, si on est infesté à plus de 30%, on n'a plus le droit d'intervenir, parce qu'on estime que la population est trop importante et qu'elle va se réguler toute seule. Et puis dans tous les cas, en termes de travail, c'est inconcevable. Voilà. Donc ça se cantonne uniquement quand je vois quelques ronds apparaître. Voilà. Donc l'orge de printemps, elle est souvent implantée derrière un blé. Donc là où il y a eu un couvert long entre les deux, qui en général, comme je le disais, a été broyé, le couvert a été broyé sur la deuxième quinzaine d'août. Pour mettre à plat, pour éviter que les sangliers passent l'hiver dans le couvert, pour avoir un minimum de résidus au sol sorti hiver et maximiser le réchauffement du sol. Le gros souci en orge de printemps, c'est le réchauffement du sol qui, en semi-direct sous couvert, est limité et est limitant. Donc, il faut, je pense, éviter d'avoir le maximum de résidus au sol ou qu'ils soient le mieux dégradés possible pour permettre au soleil de réchauffer le plus possible. Dans des zones de grosse argile qui réessuient difficilement, l'implantation des orges de printemps peut être délicate parce que le ressuyage ne se fait pas vite et on peut être obligé d'attendre un certain temps pour pouvoir implanter. Ou alors, en cas de grosse période de gel, on peut implanter sur le gel, ça c'est sûr que ça va relativement bien. Voilà. Les orges de printemps sont implantées en fonction des conditions climatiques de fin février à fin mars, voilà, en fonction des dates où on peut intervenir, à des densités que j'ai tendance à augmenter. On était plutôt sur du 320 grains fin février. J'ai l'impression que si derrière on a des conditions climatiques difficiles comme ça a été le cas l'an dernier ou il y a deux ans, avec un mois de mars pourri, humide, une perte de pied relativement importante, et là j'ai plutôt tendance à réaugmenter la densité de semis en orge de printemps, d'être au moins sur du 350 voire 400 si la date de semis est retardée, sur du fin mars par exemple. Voilà, il y a comme sur les cultures d'automne, toujours une fertilisation localisée à base de 1846 dans la ligne de semis. Elle n'est pas implantée avec des plants de campagne. En termes de désherbage, on n'est pas trop embêté. Déjà par les graminées, on est relativement tranquille. Voilà, on va plutôt avoir à gérer des chardons, voilà, une flore plus estivale, donc qui va être gérée avec un désherbage à base de sulfo-antidicote et ou d'hormones en un passage. La variété principale qu'on utilise, c'est Planète, qui est une variété qui est très souple en termes de date de semis, puisqu'on pratique aussi des planètes en semis d'automne, sur des terres superficielles, ou en semis de printemps, en orge de printemps classique, qui a l'avantage aussi d'être relativement tolérante vis-à-vis des maladies, ce qui nous permet de faire quasiment toujours une seule intervention fongicide à une dose relativement modeste à épiaison de l'orge de printemps. Voilà. Il n'y a pas d'intervention insecticide au printemps, sur l'orge de printemps. C'est une culture économe en termes d'intrants. Ok. Et pour le reste de la fertilisation, ça se passe comme les céréales ? Tout à fait, ouais. C'est comme le reste des céréales. Donc c'est polysulfate pour la partie soufre et un petit peu potasse. Et puis solution azotée pour la partie azote. Ok. Voilà. En tenant compte plus ou moins du couvert qui était présent avant, des espèces présentes, de son développement. Donc on tient quand même compte d'une partie des restitutions azotées. En revanche, le cycle d'orge de printemps étant très court, il ne faut pas compter sur une restitution du couvert, précoce en tout cas. S'il y a restitution, ça va être tardif, hein, ça va être en fin de cycle. Donc on peut pas, je pense qu'on ne peut pas tirer sur les apports azotés au début du cycle. Voilà. On peut les réduire un petit peu, mais je pense qu'il faut que l'azote soit apporté tôt.
Et sur les céréales d'hiver, c'est la même chose. C'est la même chose. En semi-direct sous couvert, Arvalis a commencé à le démontrer d'ailleurs. L'efficience de l'azote est différente. Le cycle d'azote est différent. Les plantes n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Et on a tendance à apporter plus d'azote tôt, sorti hiver, et à alléger, on va dire, le deuxième apport classique. Il faut qu'on ait beaucoup d'azote disponible relativement tôt. Voilà. Ici, une orge de printemps, variété Planète, implantée fin février, dans des relativement bonnes conditions. On a eu une période sèche fin février. Bon, ici, c'est une zone relativement superficielle, donc les conditions d'implantation étaient très bonnes. On a plus loin des zones beaucoup plus profondes, plus argileuses, qui avaient beaucoup plus de mal à ressuyer. Et là, les conditions d'implantation étaient quand même moins bonnes, par manque de ressuyage. J'ai quand même fait le choix de semer à cette date-là, parce qu'il nous annonçait beaucoup de flotte derrière. Voilà. Donc je me suis dit, après, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais y retourner. Donc j'ai implanté fin février à 330 grains. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que il en manque au moins 10%, 15%. Elle a été implantée, encore une fois, avec du 1846 dans la ligne de semis. Hein, fertilisée de manière classique. Elle suivait un blé avec un tir culture d'un beau couvert. Ici, zone bien arrosée, un couvert très bien développé. Qui a été broyé au 15-20 octobre. Et puis ensuite, on n'a plus rien touché. Il y a eu un coup de glypho 8-10 jours avant le semis de l'orge de printemps pour gérer les repousses de blé, principalement. Sinon, c'était relativement propre. C'était relativement propre. Ensuite, au niveau intervention, il y a eu un désherbage mitalage, antilicote uniquement, pas de désherbage antigraminé, pas d'insecticide, pas de régulateur, et un demi-fongicide à épiaison. Voilà. Alors là, on est sur une partie relativement séchante. On voit qu'elle a déjà énormément souffert le mois dernier du sec. Et puis, ce qu'on constate aussi maintenant que c'est épié, c'est qu'on a eu des problèmes, je pense, de gel à la méiose. On a eu des gels autour du 10 mai. Et on a des épis qui sont déformés, avec des grains surnuméraires, des grains vides. Voilà, je pense que c'en est la cause, puisque je pense pas que ça puisse être de la phyto, étant donné qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Ouais, je disais que pour le colza à suivre, on va essayer pour les colzas de l'année prochaine de renforcer sur les plants de campagne de manière à leurrer le plus possible les insectes d'automne. Donc trouver des plantes qui ne soient pas trop concurrentielles du colza et qui arrivent à passer un petit peu par-dessus de manière à leurrer les insectes. Donc en plus des févroles qui sont déjà une bonne base, on va rajouter un petit peu de sarrasin, mais pas trop pour ne pas être trop concurrentiel, et du lin déjà. Voire un poil de tournesol à tester, mais c'est les projets pour l'implantation de colza à venir. Potentiel d'un col d'une orge comme ça? Ah ben là où on est, elle est vraiment pas belle, hein. Là je pense qu'on est sur moins de 50 quintaux. Après, bon, il y a des zones qui sont nettement plus jolies. J'ai pas terminé tout à l'heure. Les zones qui étaient limite pas assez ressuyées au moment du semis. Il y a des endroits où l'orge n'a même pas levé. Les grains se sont trouvés enfermés, il y a pas mal replu derrière, asphyxiés. Voilà, ça a été une cata. Donc il y a des zones que j'ai sursemées fin mars, quand il y a eu une nouvelle période de sec. J'ai sursemé fin mars. Aujourd'hui, elles ont bien rattrapé. Ces zones-là sont vraiment jolies. Mais ça me pose quand même souci, ces zones humides, qui restent humides, qui se referment, qui durcissent. Et je me demande si je ne vais pas tester quand même sur certaines zones une décompaction cet été avec un outil style Actisol qui ne va pas me défoncer ma structure. Voilà, essayer de passer à 30 ou 35 cm. Je ne sais pas quelles sont trop les capacités de cet outil-là que je n'ai pas. Mais j'ai bien envie de tester ça dans ces zones-là.
Parce que les couverts végétaux font pas le boulot, ça, faut pas rêver. Hein. Les zones très difficiles, le couvert végétal, il rame, et puis voilà. Les zones humides, le couvert végétal, il va pas forcément descendre. Quelle que soit l'espèce qu'on met, hein, que ce soit même des févroles qui sont censées fissurer en profondeur, vous mettez des févroles dans une zone dure et humide, elle va rester, ses racines vont rester en surface. Hein. Donc les couverts végétaux ne font pas le boulot, ça c'est encore une chose qui est trop souvent prônée, hein, en cas de problème, vous faites des gros couverts végétaux et le problème est résolu. C'est faux. Alors on va parler quand même de notre partie de l'exploitation en terre profonde, même si elle n'est pas très importante, mais c'est la seule partie qui nous permet de faire des cultures d'été, maïs, qu'on fait depuis longtemps, soja qu'on commence à mettre en place. Et qui nous permet de partir sur une rotation maïs, soja, blé, dans ces types de sols-là. Alors, l'implantation du maïs, déjà avant maïs, le maïs il va être implanté derrière un blé, en général, voire dans une parcelle, dans deux parcelles cette année, derrière un colza. Ce sont des grosses argiles profondes, où on avait quand même des problèmes de structure. Ça se reprend en masse relativement vite, en profondeur, c'est pas simple. C'est drainé, mais il faudrait qu'il y ait un drain tous les mètres voilà, pour évacuer suffisamment la flotte. Donc, elles étaient implantées en colza, et j'avais implanté sous le colza une grosse quantité de trèfle violet, enfin, par rapport aux autres, je veux dire, j'avais implanté 8 kg, pour avoir une densité très importante derrière le colza. Et puis pour le laisser en place très longtemps, 18 mois, jusqu'à une implantation de maïs. Et là, effectivement, il m'a fait un super boulot en termes de structure, parce qu'il y avait de la densité, parce qu'il avait le temps, parce que c'est des terres profondes, donc il y a quand même plus d'humidité. Donc le trèfle violet m'a fait une super structure avant le maïs, une structure inespérée dans ce type de sol, en fait. Donc j'ai implanté un maïs derrière ce trèfle violet que j'ai broyé deux ou trois fois en restituant au sol et puis que j'ai détruit relativement tôt avant l'implantation du maïs parce que j'avais peur qu'il concurrence trop fortement par sa biomasse et puis aussi par le fait d'avoir pompé la flotte. Après ça on le sait jamais d'avance en fonction de si on a un printemps humide ou pas. Mais le risque pour moi était très important. Donc j'ai préféré détruire chimiquement le trèfle violet, j'ai fait ça début mars, mi-mars, voilà, pour avoir au moins un mois avant le semis du maïs, pour qu'il ait le temps de se dégrader. En fait, dans le cas présent cette année, les semis de maïs ont été retardés parce qu'on a eu pas mal de flotte sur fin avril et début mai. Ce sont des parcelles en fond de vallée où j'ai souvent des problèmes de gel en maïs. Donc les semis n'ont été effectués que mi-mai. Voilà. En plus, ils l'ont été après passage d'un coup d'herse rotative à 3-4 cm parce qu'on avait énormément de dégâts de sangliers. L'inconvénient sous les colzas, les sangliers sont bien sous les colzas. Quand on met des couverts, ben, ils sont heureux parce qu'ils sont à l'abri, voilà, ils ont à bouffer, c'est sympa. Donc c'est l'inconvénient, ils font souvent pas mal de trous dans les parcelles. Donc là, dans le cas présent, il y a eu passage d'herse rotative 3-4 cm pour niveler, installation d'une clôture électrique pour pas être embêté, et puis semis du maïs. J'ai laissé un témoin sans passage d'herse rotative. Effectivement, le développement du maïs n'a rien à voir. Et puis on a souvent le problème de la réouverture du sillon dans ces terres argileuses, où voilà, ça se reprend en masse, l'argile s'échant, s'écarte, et puis le sillon a tendance à se réouvrir, donc faire de la terre fine en surface, ben, ça aide bien pour le démarrage du maïs. Voilà. Et donc c'est semé avec un semoir direct C'est semé avec un semoir de semis direct, puisqu'on en sème aussi en semis direct, hein, c'est pas systématiquement travaillé avant maïs. Donc c'est semé avec un semoir de semis direct, hein, je veux dire, un max émerge. Avec une fertilisation liquide localisée, c'est le semoir d'un collègue qui est équipé d'une fertilisation liquide. Voilà, donc il y a toujours une grosse base de phosphore, avec plus ou moins d'azote, ça dépend de la formule qu'on utilise, mais ça peut être par exemple une base de 1448 liquide, donc est installée dans la ligne de semis.
avec le maïs. Les variétés qu'on utilise ne sont pas des variétés tardives parce qu'on est dans un secteur relativement froid où on ne peut pas forcément rentrer tôt dans les parcelles pour l'implanter et où on va vite avoir des conditions froides à l'automne. Donc on est sur des indices entre 270 et 300 voilà, en maïs. On peut guère aller au-delà. Tardifier pour aller chercher du potentiel, c'est une belle ambition. Mais chez nous, c'est le meilleur moyen pour récolter des maïs qui ont gelé à 40 d'humidité, quoi. Hein. Donc on évite. En termes de variété de maïs, ben c'est compliqué parce que la recherche variétale en maïs n'est pas du tout adaptée au semis direct sous couvert. Parce que les comportements des variétés sont pas les mêmes en fonction de si c'est conduit de manière conventionnelle ou en semis direct sous couvert. On va avoir des vigueurs au départ complètement différentes. C'est pas simple, donc il faut faire ses tests soi-même. Je n'implante que 20 à 25 hectares de maïs tous les ans, mais j'essaye d'avoir au moins 3 ou 4 variétés différentes tous les ans pour en tester différentes. Donc c'est un peu de boulot au moment du semis, c'est sûr. Et puis au moment de la récolte, il faut systématiquement peser et puis faire des observations au courant de la culture. Mais on voit des choses très surprenantes. Des vigueurs qui peuvent être données très bonnes sur certaines variétés ne sont pas au rendez-vous en semi-direct sous couvert et inversement. Voilà, donc on essaye de tester un panel de variétés sans le faire comme peuvent le faire certains distributeurs où c'est vraiment une plateforme, tac, s'y rentre chaque variété et 20 variétés. Parce que là, c'est un boulot monstrueux et je ne peux pas me le permettre. Mais voilà, essayez toujours 2-3 hectares de 3-4 variétés différentes. Et ton potentiel pour le maïs ? Alors dans ces sols-là, le potentiel, il est de 80-90 quintaux en moyenne. Voilà, si on arrive à 100, c'est génial. Si c'est séchant, on peut descendre, hein, on peut descendre à 70, à 60. Et puis, si on a mis du maïs dans une parcelle qui nous paraît avoir du potentiel parce qu'on peut y faire 70 ou 15 quintaux en blé, mais que la pluviométrie n'est pas là l'été, ça peut être la catastrophe. Il nous est arrivé de faire des maïs à 30 quintaux parce que ça nous paraît être une parcelle à potentiel. Mais sans pluie l'été, c'est cata, quoi. Voilà. Sachant qu'on n'a pas de possibilité d'irrigation naturellement. Donc, voilà. Donc c'est dommage, dans la mesure où le maïs est génial dans une rotation pour la restitution de matière organique qu'il apporte au sol, pour la gestion des adventices, hein, puisqu'on va complètement casser le cycle. C'est génial pour ça, mais on prend d'énormes risques en termes de résultats, quoi. Donc finalement, on réduit le nombre de parcelles potentielles à implanter en maïs à celles qui ont vraiment du fond. Et puis bon, bah, c'est dommage, mais économiquement, on n'a pas trop de choix. Quoi. Voilà. Tu refertilises le maïs Le maïs est refertilisé de manière minérale classique, solution azotée et polysulfate pour la partie soufre. Okay. Voilà. Et pour le programme phyto ? On n'a pas, n'ayant pas un retour du maïs très souvent sur les parcelles, on n'a pas d'énormes problèmes de désherbage. Donc le désherbage est relativement restreint, on utilise jusqu'à présent pas ou peu de produits racinaires en maïs. Donc c'est en général du désherbage à vue. En post-levé uniquement, un à deux passages en fonction des adventices présentes. Et donc le maïs, il n'est pas traité fongicide. Jamais si c'est pas traité non, maïs. Non, aucun traitement fongicide. Non. Ok, insecticide. Insecticide, on a quand même de plus en plus de pyrales. On en est venu depuis un an ou deux à systématiser les interventions antipyrales. Oui. Ok. Donc avec un produit. Quelcoragène pour ne pas le citer, qui est logiquement relativement sympa vis-à-vis des auxiliaires. Voilà. Ok. Concernant le maïs, c'est à peu près tout. Hein. On récolte maïs, donc c'est uniquement du maïs grain, hein, on l'a même pas dit. C'est uniquement du maïs grain.
Il n'y a pas de maïs sans silage parce que pas de besoin pour l'élevage vis-à-vis de cette culture. Et donc suite au maïs... Une question pour le maïs. Il y a maïs Adour qui ont fait des gammes et pour des essais avec des couverts de trèfle. Oui. Du maïs implanté en strip till dedans. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de cet essai Ah, ça peut être génial. Alors, ça ne peut être fait qu'en strip till, naturellement. Enfin, naturellement. Oui. Il faut détruire le trèfle. Absolument détruire le trèfle sur le rang de maïs. Ça, c'est impératif. Parce que le maïs ne va pas du tout supporter la concurrence à un stade jeune. Donc oui, ça peut être une bonne chose de détruire la bande qui va être semée en maïs grâce à un strip till, ouais, c'est sûr. Le strip till, bon alors nous on a peu de surface, donc on n'est pas prêt à investir dans ce type de matériel. Dans le coin, c'est pas du tout développé, il n'y a pas de strip till qui tourne, hein, donc on n'a jamais testé la technique jusqu'à présent. Mais effectivement, pourquoi pas. Après, en terre argileuse, c'est délicat le strip till, hein. On peut faire aussi des grosses bêtises. Ça veut dire qu'il faudrait faire une intervention en fin d'été ou automne. Et puis faire une reprise superficielle au printemps. Mais pourquoi pas, mais... Ouais, je pense que c'est une technique très intéressante. Oui. Malgré tout, il va quand même falloir gérer le trèfle chimiquement dans le maïs. Hein. Parce que même celui qui va rester entre rangs peut être très très concurrentiel. J'ai déjà essayé, en revanche, une fois, l'implantation d'un trèfle violet à la volée dans du maïs qui avait 7-8 feuilles au de limbe, avec une réussite qui est forcément aléatoire, parce que quand on pose une graine sur la terre, et, voilà, il nous faut de la flotte pour la faire lever. Et ça a été un échec complet, parce que c'est des maïs qui avaient été désherbés avant, aux alentours de 4-5 feuilles, et on a vu des conditions très sèches suite à ce désherbage. J'ai implanté le trèfle violet à la volée au Delimbe fin juin ou début juillet, parce qu'ils annonçaient un petit peu de pluviométrie. Mais depuis le désherbage, la pluviométrie avait été quasi nulle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu du tout de lessivage des herbicides qui avaient été faits avant. Les pluies sont revenues effectivement après le semis du trèfle violet. Il y a eu une germination formidable, j'étais super content, il y en avait partout, c'était superbe. Sauf que il a fait sa première feuille, et puis tout d'un coup, le lessivage des herbis maïs a eu lieu, et ils ont complètement flingué le trèfle violet, qui est devenu tout jaune, et il n'en est quasiment pas resté, sauf sous les pieds de maïs, où je suppose que la couverture des feuilles présentes à ce moment-là faisait qu'il y avait moins d'herbicides présents au pied des rangs de maïs, ou alors peut-être plus d'humidité présente, ce qui fait qu'il m'est resté uniquement un peu de trèfle sous les pieds de maïs et pas du tout entre. Donc j'ai pas renouvelé l'opération. Okay. C'est trop aléatoire. Mais c'est dommage, hein. C'était sympa dans l'idée de mettre en place un couvert à base de trèfle suivant le maïs. Après, moi, partant dans une optique de semer un soja après le maïs, bon ben dans ce cas-là c'est plus justifié parce que ce serait dommage, il faudrait complètement détruire le trèfle avant l'implantation du soja. Hein, donc là ce serait dommage. En revanche, ce que j'ai mis en place cette année, j'espère que ça va être sympa, j'ai implanté du trèfle blanc nain en même temps que le soja, donc derrière du maïs. Derrière du maïs, derrière la récolte, j'ai implanté un tritical pur, à dose importante, juste pour me faire un couvert, pour me faire de la biomasse. Ce tritical-là ne s'est pas énormément développé, parce qu'on a récolté les maïs fin octobre, je l'ai semé aussitôt, mais il est venu du froid relativement vite, on n'a pas eu un développement extrêmement important, et le tritical, il aurait commencé à se développer de manière importante au mois d'avril, mais en partant sur un objectif d'implantation du soja mi-mai, j'ai préféré détruire le tritical début avril. Voilà. Hein. Toujours pour pas risquer la concurrence et mettre le sol à nu avant l'implantation. Donc j'ai détruit ce tritical. Il était bien détruit. L'implantation a été un petit peu retardée
vis-à-vis des conditions climatiques, et ont été implantés cette année qu'au 22-23 mai. Voilà. Et donc j'ai mis dans la ligne de semis du soja 5 kg de trèfle blanc nain, qui devrait en principe ne pas me gêner dans la culture du soja, parce que c'est une plante qui se développe, qui met longtemps à se développer. Le soja va ensuite couvrir, il va rester dessous. Je pense qu'il ne va pas me poser de soucis. En tout cas, certains collègues ont déjà essayé, ça n'a pas été préjudiciable. Contrairement à de la luzerne ou du trèfle violet, voilà, faudrait pas jouer avec ça, mais du trèfle blanc nain, il n'y a pas de souci. Et donc l'objectif, c'est qu'il soit présent après la récolte du soja, en tant que couvert permanent, pour y implanter un blé en direct. Voilà. Des potentiels de rendement pour le soja ? Pour le soja, j'ai pas de recul, je commence. Mais dans ces terres profondes-là, j'espère pouvoir atteindre 30 quintaux. Okay. À voir, mais j'ai pas de recul là-dessus. Donc à rajouter sur la culture du soja ? À rajouter, non. Étant donné que c'est pas une culture qu'on pratique jusqu'à présent, on n'est pas sur des problématiques d'herbage importantes. Donc voilà, le désherbage va être allégé. J'ai fait en post-semi prélevé une base pain diméthyline pour gérer notamment des renouées. Et puis ensuite, il va y avoir une ou deux petites interventions à base de pulsar, classique quoi. Voilà, ce sera tout. Pas d'insecticide, pas de fongicide. En termes de limaces, sur certaines parcelles, j'ai fait une application de phosphate ferrique 10-15 jours avant le semis, parce que j'avais pas mal de limaces sur certains coins, derrière le couvert de triticale qui avait été détruit. Voilà, donc là il y a eu application. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment qu'au cas par cas, en cas de besoin. Ici une parcelle qui était donc en maïs grain l'an passé, qui a bien fonctionné. Enfin, en plus là on est sur une zone, on est vraiment sur la zone la plus fertile de la parcelle, où le quantimètre était plus souvent au-dessus de 120 qu'en dessous. Bon, c'est pas partout comme ça, mais la parcelle a quand même fait 95 quintaux de moyenne, donc très bien. Implantation d'un triticale pour servir de couvert végétal juste après la récolte du maïs, en direct au 750A comme d'habitude. On voit encore des résidus de triticale. Triticale qui a été détruit début avril. Au glypho, voilà. Et puis ensuite, on a attendu qu'il fasse beau pour pouvoir semer, et que ça sèche bien. Je voulais pas non plus semer trop tôt, parce que ce sont des fonds de vallée relativement froids. Donc le soja a été implanté le 23 mai. C'est une variété Cirelia, donc qui est un 000, variété précoce, que j'ai implanté à 720 000 pieds. Alors j'ai un petit peu forcé la dose, je pense que j'ai bien fait, parce que suite au semis, ils nous annonçaient de la flotte qu'on n'a pas eu, et pendant 10 jours on a eu très sec et chaud, et en fait il y a plein de grains qui étaient germés et qui sont pas sortis. Il y en a qui ont germé et séché, qui sont morts, il y en a qui ont germé, qui ont attendu, et qui ressortent maintenant depuis qu'il a replu, voilà. Bon, je pense qu'au final, voilà, on a une densité qui est convenable, mais il n'aurait pas fallu descendre beaucoup plus bas. J'ai semé une bande plus épaisse, à un peu plus d'un million de graines, pour voir ce que ça donne, et puis on fera des pesées. Voilà. On a localisé du phosphore dans la ligne de semis, et un petit peu d'antilimace, 1,5 kg de métaldéhyde. Parce que donc on avait pas mal de limaces visibles, suite au triticale. Avec cela, 5 kg de trèfle blanc nain, comme on le disait tout à l'heure, pour essayer d'avoir un couvert de trèfle présent après la récolte du soja, dans lequel on pourra implanter un blé dans de bonnes conditions. Alors le trèfle est très peu visible encore pour l'instant. On en voit quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Alors j'avais semé relativement profond, j'ai semé à environ 3 cm, pour que ma graine de soja soit le plus possible dans le frais, même si ça n'a pas suffi pour tous les pieds.
pour qu'elle soit le plus possible dans le frais. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr que c'est un peu profond pour du trèfle blanc. Hein. Du trèfle violet, je pratique en colza, même à des profondeurs comme ça, ça pose pas de souci. Je pense que le trèfle blanc est plus sensible à la profondeur de semis. Donc c'est certainement un peu beaucoup pour lui. Bon, malgré tout, il en sort. Hein. Et puis, c'est pas... C'est lent à s'implanter, donc tiens, voilà encore ici, là, voilà. Donc j'ai bon espoir qu'il y en ait suffisamment. Voilà. D'un point de vue intervention, ben, donc post-semi, j'ai fait une base de pain diméthaline. Et puis ensuite, il va y avoir très prochainement un pulsar pour nettoyer tout ce qui traîne, qui a l'avantage d'être sélectif du trèfle, hein, donc pas de souci. Et puis voilà, ce sera tout. Tu vas faire des apports de soufre ou pas, parce que c'est une légumineuse ? Oui, j'ai, ouais, ça c'est déjà fait. Je l'ai fait juste avant le semi, comme sur le reste de nos cultures, en polysulfate. En apportant 200 kg, donc quasi 100 unités de soufre. Voilà. Ouais. C'est vraiment la première fois que je fais du soja, donc j'ai bon espoir que ça fonctionne bien, il est bien parti. Ce sont des terres à bon potentiel. Bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Non, ben, la gestion du troupeau, elle est relativement simple. L'alimentation de base, elle est avec nos prairies permanentes. Tout est fait en foin, en sec. On ne fait pas d'enrubané, on ne fait pas d'ensilage. Voilà, on a une surface d'herbe assez importante, donc qui nous permet de nourrir le troupeau qu'à base d'herbe. Complémenté d'un peu de triticale qu'on produit sur la ferme, plus un petit peu de tourteau de colza, voilà, c'est le seul achat. Ben, puis des minéraux, évidemment. Mais sinon, voilà, ce sont des vélages relativement groupés sur décembre-janvier. Une remise à l'herbe la plus précoce possible, qui en général intervient fin mars pour tout ce qui est génisse, et puis plutôt à partir de mi-avril pour les mères et les veaux. La commercialisation, une partie des veaux sont commercialisés en veaux sous la mer, avec des magasins de grande distribution locaux. Les femelles sont quasiment toutes destinées au renouvellement ou à des ventes en autre élevage. Il y a très peu d'engraissement de femelles pour aller à destination viande. Donc en veau sous la mer, ce sont principalement des mâles. Et puis le reste des mâles qui ne peuvent pas partir en veau sous la mer, faute de débouchés, ils sont vendus en broutard classiquement voilà, en fin d'été. Bah, est-ce que tu es pas dans ce cas-là de juste de l'animation et de la... Ah ben oui, l'accompagnement. Avant de commencer dans ces techniques de semis direct sous couvert, j'ai pas mal cherché sur internet ce que je pouvais trouver, et puis j'ai très vite adhéré à un forum agricole qui m'a apporté énormément de choses. Je pense que c'était à l'époque le forum le plus en avance sur cette technique, avec des gens de tous horizons. Alors après, avec les avantages et les inconvénients d'un forum, l'avantage, c'est qu'on a des gens de tous horizons, de toute région, de tout climat. L'inconvénient, c'est que il y a aussi à boire et à manger, quoi. Faut faire du tri. C'est inconvénient quand on connaît pas forcément les gens avec qui on échange. Et ensuite, très vite, j'ai adhéré à la PAD Centre-Est, puisque la PAD Centre-Est venait d'être créée, hein, donc un collectif d'agriculteurs. L'APAD, c'est à la base une association nationale qui est divisée en sous-groupes régionaux, donc il y a des régions où il y en a et d'autres où il n'y en a pas. Et donc sur notre région, enfin sur le nord de Dijon, était recréée l'APAD Centre-Est. Voilà, donc j'ai très vite adhéré à cette association-là, association d'agriculteurs uniquement, de bénévoles. Et puis on s'est développé par l'arrivée d'adhérents, on a commencé à s'organiser, à faire des tours de plaine. On réalise 5 à 6 tours de plaine par an, donc chez nos adhérents, hein, c'est les tours de plaine qui ont lieu chez nos adhérents. On réalise une à deux formations par an, avec des spécialistes de certains domaines. On a vu à peu près tous les gens qui tournent dans le circuit.
Dernièrement, Thierry Tétu. L'année précédente, je ne vais pas retrouver son nom. Il va falloir que tu coupes. Olivier Husson. Merci. Voilà. Donc ça, c'est des formations ouvertes à tous les adhérents. On essaye de faire venir le maximum de personnes possible. Et puis ensuite, en fonction des demandes des adhérents, on va recréer des sous-groupes pour bosser sur tel ou tel sujet en groupe plus restreint, ce qui permet de meilleurs échanges. Et puis, c'est souvent des formations sous-groupes qui vont être financées par du Viveva. Voilà. Donc on commence à monter des formations de ce type-là. Voilà, à l'aide d'une animatrice qui nous aide beaucoup là-dessus à organiser des formations et des événements. C'est, voilà. Donc la patte Centre-Est m'a apporté énormément et continue à le faire. Donc je m'y investis beaucoup pour essayer de donner et de rendre aussi aux gens qui sont intéressés par la technique et qui débutent. Hein. Et puis pour essayer d'apporter du vrai, c'est-à-dire pas du blabla, pas des on dit il faut faire comme si parce que machin il a vu que ça fonctionnait. Non, c'est on teste chez nous, on voit ce qui se passe et après on en discute quoi. Hein, parce que c'est dommage, mais on entend tellement de choses. Il y en a tellement qui sont prêts à raconter tout et n'importe quoi pour vendre de l'information, c'est désolant. Donc nous on fait du concret, on fait du local. Voilà, et on essaye d'accompagner au mieux nos adhérents de cette façon-là. On se tourne de plus en plus sur la communication par des journées portes ouvertes, des journées patrimoine sol. Donc c'est des journées fermes ouvertes, des adhérents qui acceptent de faire découvrir leur ferme, de communiquer avec le grand public. On voit bien que par les temps qui courent, la communication au grand public, c'est ce qui manque et peut-être qu'on ne l'a pas fait assez tôt. Donc on n'a pas pris la mesure de son importance assez rapidement et c'est dommage. Parce qu'on a laissé la place à plein d'autres gens qui racontent plein de bêtises. Voilà. Il y a ça, il y a également, par le biais de la projection du documentaire Bienvenue les Vers de Terre, on organise ces projections-là, suivi de débats, et ça permet encore une fois de se faire connaître et d'expliquer notre technique au grand public, qui est complètement inconnue. Et puis quand on l'explique, les gens sont très heureux parce qu'ils ne la connaissent pas, et puis ils se rendent compte que c'est génial ce qu'on fait, quoi. Voilà. Même si on utilise toujours des produits phytosanitaires, même si on utilise toujours du chimique, des engrais, en termes de biodiversité, de limitation de l'érosion, de matière organique, enfin voilà, quoi, et ça les gens ça leur plaît, c'est juste qu'ils le savent pas, ils le connaissent pas, ils connaissent pas nos techniques. Ils voient nos couverts, ils trouvent ça joli, mais ils comprennent pas pourquoi on les a implantés. Alors quand on leur explique, voilà, tout prend son sens et c'est super.